Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon setup magnifique avec toutes ces lumières de couleur pour ces fêtes de fin d'année. Mais accessoirement, ça reste toujours ma chambre à coucher. Bref, aujourd'hui, on regarde ensemble 8 accessoires vidéo qui vous seront sûrement utiles en voyage. Tout de suite, l'intro et ensuite, on check tout ça. Premier accessoire vidéo, c'est le porte-objectif de la marque Peak Design. Il est super pratique pour des randos, des voyages ou même des prestations lors de vos événements si tu disposes de différentes focales. Il existe en différentes montures. Celle-ci, en l'occurrence, je l'utilise pour les montures EF de la marque Canon. Ça se fixe comme sur un boîtier et tu as une sécurité pour éviter que ton objectif se déclipse. De base, ça se fixe sur les accessoires Peak Design que j'utilise souvent dans mes vidéos, que tu peux mettre sur les bretelles de ton sac à dos comme ceci. Bon produit, pratique et léger. Deuxième accessoire, on parlera de la marque Small Ring, un accessoire pour fixer ton moniteur. Je l'utilise quasi tout le temps pour toutes mes prestations. C'est petit, c'est léger, multiples positions et fixations. Un pas de vis universel, standard, pour fixer votre moniteur ou accessoire selon vos besoins, comme par exemple un petit panneau LED. Il y a possibilité de l'incliner en avant ou en arrière sur 90 degrés. Troisième accessoire, toujours de la marque Small Ring, la poignée de support qui vous permettra de créer des travelling ou même au transport. Son atout, la possibilité de la tourner dans les deux sens selon le setup et pour équilibrer votre cam et éviter trop de porte-à-faux. Belle finition en bois métal, fixation griffe flash à l'avant et à l'arrière, multiples pas de vis pour accessoriser n'importe quoi. Bref, c'est un bon produit. Quatrième accessoire, c'est le micro vidéo Mic Go 2 de la marque Rode que j'utilise depuis mes dernières vidéos en Martinique. C'est un très bon micro directionnel pour du vlog à faible distance. Il est très petit, il est léger, multifonction. Vous pourrez l'utiliser pour du standard sur votre DSLR avec l'entrée micro pour faire du vlog à la YouTube. Ou vous pourrez aussi l'utiliser comme micro de table. Et ça, c'est super pratique car il possède un port micro USB-C que vous pourrez relier tout simplement à votre ordinateur portable et utiliser la sortie jack comme prise casque. Il est vraiment top pour un prix hyper attractif. Cinquième accessoire, le chargeur portable Patona pour les batteries Canon LPE6 de la marque Canon. Un chargeur très léger et surtout, vous avez la possibilité de recharge par port USB-C ou micro USB à travers, par exemple, une power bank ou via votre allume-cigare. Certes, la recharge sera beaucoup plus longue, mais suivant la puissance de votre batterie externe, vous pourrez trouver dans un endroit sans courant. Et je vous jure que ça vous sauvera la vie. Sixième accessoire, on parle du filtre Nizi Pro Mist 1/4. Si vous avez envie de changer le style de vos images ou en photo et de donner un style beaucoup plus personnel ou cinématique, je vous conseille ce filtre Pro Mist de la marque Nizi, qui est vraiment une très bonne marque pour les filtres. En fait, il va donner une lueur supplémentaire à vos hautes lumières, donc en gros les étaler un peu plus et surtout aussi donner à votre image quelque chose de beaucoup moins contrasté et peut-être plus proche de la réalité. Je kiffe bien ce filtre et vous pouvez vraiment donner de cools effets. Comme par exemple avec la lueur du soleil, ça donne un rendu vraiment top, que j'adore beaucoup, hein. Après ça reste personnel. À Noël, je pense qu'on pourra faire vraiment des trucs sympas avec ce filtre. Septième accessoire, on va parler du filtre Polarizon CP de la marque Polar Pro. Un filtre Polarizon va surtout vous aider à couper certains reflets dans vos scènes et rendre les couleurs beaucoup plus réalistes, comme par exemple un ciel bien bleu et pas un ciel bleu-blanc que vous utiliserez sans le filtre. Vous pourrez par exemple l'utiliser aussi pour enlever les reflets à travers l'eau ou à travers la neige. À vous d'en faire bon usage avec modération.
petit couac. Faites attention parce que la marque Polar Pro, les teintes ont souvent tendance à tirer sur le chaud. Et le dernier accessoire, huitième accessoire de la marque Manfrotto, un petit trépied passe-partout, est vraiment sympa pour voyager, pour shooter par exemple des poses longues, des time-lapse, sans vraiment se prendre le bec avec 1000 matos et 10 kg entre sur le dos. Je setup mon R6 dessus avec un 24-70 RF sans trop de soucis. Je dis bien sans trop de soucis parce qu'il faut bien mettre la patte d'appui perpendiculaire avec votre objectif pour éviter qu'il pique trop sur l'avant. Je conseille, le prix est top et la marque est très réputée bien sûr au niveau des trépieds. C'est une tête inclinable et vous avez aussi possibilité de la basculer en mode portrait. Voilà les amis, ces 8 accessoires vidéo. J'espère que ça vous a donné des petites idées pour faire vos petits gâteaux de Noël. Moi, je vous dis à très vite. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se voit en 2023. Et pour 2023, ce que j'aimerais bien, c'est abuser. Allez-y, lâchez-moi des likes, abonnez-vous. Ça me motivera encore plus de vous présenter du contenu comme ceci. Je vous dis à très vite. Bisous les amis. Ciao.